Un artiste un jour, bonjour, nous sommes au cœur du festival Off d'Avignon et évidemment la rencontre de très beaux artistes comme aujourd'hui. Nous avons la chance d'être avec Corinne Touzet. Bonjour Corinne. Bonjour Isabelle. Tu viens jouer cette pièce qui s'appelle Européana, une brève histoire du XXe siècle. Tu es seule en scène et c'est une création. C'est l'histoire de qui, de quoi ? Alors c'est en 1h20 l'histoire du XXe siècle depuis l'exposition universelle jusqu'au bug informatique du 31 décembre 1999 à minuit. Donc en passant par l'émancipation de la femme, la contraception, bien sûr les deux guerres, l'Holocauste, mais aussi les premiers émois des scènes érotiques au cinéma que je raconte, les années 50, 60, 70. Donc c'est passionnant, voilà, je m'éclate. En fait je m'éclate, voilà. On va tout de suite regarder un extrait. Beaucoup de gens pensaient que la contraception était le plus grand événement du siècle. Et en 1914, une Française inventa le soutien-gorge. Une Française. Et les nazis les envoyaient dans des installations appelée chambre à gaz. Il fallait inventer un mot où plus personne ne serait asservi. Et ils écrivaient sur les murs : il est interdit d'interdire ! Il est interdit d'interdire ! Corinne, évidemment, c'est ça foisonne d'idées et d'exemples, mais est-ce que tu peux me donner un petit exemple de vraiment quelque chose qui t'a vraiment étonné ? Ben, c'est vrai que j'ai appris en lisant ce livre que les gens de la campagne avaient peur de l'électricité parce qu'en fait ils ne comprenaient pas à quoi elle pouvait bien leur servir. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'apparition des lave-linges, des réfrigérateurs, des essoreuses, mais surtout des postes de télévision qui se sont dit qu'ils aimeraient bien savoir ce qui se passait dans les villes, alors ils ont demandé au gouvernement de les électrifier. Et ça, je l'ai appris, c'est dans le texte. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ignorais. Et comme l'eau chaude aussi. Ils pensaient que l'eau chaude, elle contenait des microbes. Donc, ils ne savaient pas ce qu'étaient les microbes, mais ils les imaginaient, tu vois. Waouh, vraiment, il faut voir ce seul en scène. C'est très, très riche, on va apprendre plein de choses. Corinne, tu connais notre défi. Tu as 15 secondes pour dire pourquoi il faut absolument venir voir ce spectacle. À toi de jouer. Alors, au secours, il faut absolument venir voir ce spectacle parce qu'il est formidable, parce qu'il est mis en scène par Virginie Lemoine et parce que je m'éclate. Et je pense que vous ne m'avez jamais vue comme ça, parce que dans les films, je suis toujours un peu psychorigide. Mais enfin, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est comme ça qu'on me propose et qu'on me veut. Et là, je me lâche. Alors, si vous voulez venir me voir me lâcher, dans l'ordre, c'est à 15h, tous les jours, au Chien qui fume. Voilà. Merci beaucoup, tu nous as fait le kick-wack en haut. Ça s'appelle donc Européana. Merci Corinne, on te souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venue jusqu'ici, bonne journée. On se retrouve très vite pour un nouveau Un artiste un jour. Et d'ici là, bon spectacle.